Donc, il va falloir, enfin, où nous sommes invités à réorienter nos affections, voilà, ce qui n'est pas étonnant, hein, mais pas bien sûr dans une hiérarchie. Voilà, il ne s'agit pas de prioriser, on pourrait l'entendre un peu de cette manière-là, notre affection pour le Christ et puis en délaissant nos autres espaces de relation. C'est que tout est assorti à cette relation première. Bah, c'est ce qui fait la qualité des mariages que nous célébrons. Il y en avait deux hier, il y en aura un la semaine prochaine. Et évidemment, comme c'est un mariage sacramentel, les couples qui se présentent demandent à recevoir la grâce nécessaire pour vivre la relation, l'alliance qui est proposée. Et pour cela, il faut de fait invoquer Dieu. Alors, je discutais hier à un repas de mariage, justement, une personne, voilà, parce que c'est quand on va au repas et beaucoup de gens nous posent des questions, et qui disait, ben voilà, finalement, j'ai accompagné, me disait la personne, un mariage civil dimanche dernier, la semaine d'avant, je sais pas très bien où, et elle me disait, ben c'est pareil. Je dis, ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, oui, bien sûr, nous sommes invités dans cet espace d'accueil de l'autre, dans nos vies, et pourtant, la grâce du sacrement vient donner l'origine de l'appel que nous avons reçu, ce qu'on appelle une vocation, et à laquelle chacun répond. Donc Jésus nous dit, ben, d'abord écoutez votre appel, et puis ensuite, quand vous l'avez bien entendu, que vous l'avez accepté, exprimez-le devant Dieu et devant vos frères. Mais il faut quand même qu'il y ait cet appel qui précède, et sinon, de fait, on est uniquement dans un choix affectif, et il y a risque de stérilité, ce qui n'est pas le cas dans la première lecture que nous avons entendue, puisque ce couple qui n'a pas d'enfant, par l'accueil du prophète Élisée, va se retrouver en posture de fécondité. Bon. Donc Jésus redit ce que nous savons. Hein. D'abord, nous écoutons ce que Dieu nous propose, nous accueillons la grâce qu'il souhaite nous transmettre à travers les sacrements, et alors nous sommes en capacité d'aimer notre conjoint, d'aimer notre prochain, nos parents, s'il faut honorer son père et sa mère, on nous dit les commandements, nos enfants, etc. Mais nous entrons dans une relation juste. Donc celui qui accueille quelqu'un qui se présente de manière juste recevra une récompense de juste. Celui qui accueille un prophète recevra une récompense de prophète. Mais de toute façon, écouter la parole que Dieu nous adresse et la dire publiquement, on va rester sur le mariage, puisqu'il y a Élise et Vendry qui sont parmi nous, ça veut vraiment dire que nous sommes dans un acte prophétique parce que Dieu nous a adressé une parole et nous pouvons la proclamer. Toutes les vocations s'articulent hein, autour de ce mouvement. Donc Jésus nous dit, ben, si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas me suivre. Et la croix, je le rappelle, pour ceux qui ne m'entendent pas souvent, c'est un espace de réception pour lequel Dieu peut entrer dans notre maison. C'est l'appel qu'il nous adresse. Et Jésus le souligne, je vous relis. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc Jésus, éminemment, c'est le maître. Il est celui qui vient envoyé par un autre prophète. C'était la question que Jésus a adressée à Pierre. Nous l'avons fêté jeudi dernier. Et donc cet appel que Pierre a reçu, de fait, dans l'inspiration, il a pu dire « Oui, tu es celui, le Messie, celui que Dieu a envoyé. » Parce que Jésus, évidemment, est envoyé par un autre. C'est le mystère de la croix. C'est ce qui est souligné dans l'Épître aux Romains. « Nous qui sommes morts avec le Christ, nous avons part à sa résurrection. » Ben, c'est le mystère de la croix. La croix, « Ceci est mon corps livré pour vous et mon sang versé pour vous. » Ben, nous célébrons quoi ? Le mystère de la croix, de la passion. Donc le mystère de la passion, c'est tout ce que nous acceptons de recevoir de Dieu, ce lâcher prise que je développe très souvent, et qui nous permet, et dont nous faisons mémoire dans nos célébrations et tous nos sacrements, qui nous permettent d'avoir part à la résurrection. C'est donc la récompense promise, celle du prophète, celle de l'homme juste, puis c'est celle de notre baptême, hein, tout simplement. Mais voyez bien, il ne s'agit pas de mourir à je ne sais trop, si bien sûr, à notre volonté propre, mais ces choses-là sont naturelles. Enfin, c'est une conversion, mais c'est naturel parce que nous sommes invités à laisser Dieu, encore une fois, être celui qui nous guide sur le chemin, mais pour être libre et pour être fécondé. Alors, on va refaire ce que je dis souvent aussi, les fermes des patriarches, parce que là, le texte, quand même, c'est assez proche de ce qui se passe pour Sarah, la réponse en tout cas entendue.
Dans un an, tu auras un enfant. Pour Sarah, c'est Isaac. Hein. On a eu Abraham la semaine dernière, je crois, en première lecture, et cette fécondité promise. Et là, nous la voyons à nouveau à travers ce couple qui est dans une situation où, de fait, probablement, la maternité n'est plus possible. Mais le signe est posé de la fécondité, de cette récompense promise, c'est notre baptême, à savoir si nous consentons à laisser Dieu nous consacrer par l'Esprit, eh bien, nous entrons dans la filiation. Ça va? Non, ça va plus? Mais si. Encore une fois, la Bible, elle est là pour nous présenter la posture humaine nécessaire, à savoir cet acte de foi qui permet à Dieu de venir consacrer notre maison. Et cette consécration nous met en maternité spirituelle pour une naissance spirituelle. Voilà, c'est la Bible, encore une fois, elle est vraiment là pour nous orienter sur un chemin de vie intérieure. Évidemment, ce n'est pas que les prêtres qui sont concernés. Hein. Voilà, que pourriez croire que parce que vous allez inviter le prêtre à manger, vous auriez une récompense particulière. Bon, comme je disais à Seyac ce matin, ce n'est pas une convocation pour nourrir, blanchir et je sais quoi. D'ailleurs, les prêtres ne boivent pas que de l'eau hein, quand on n'a pas de mariage. C'est un verre d'eau qu'il faut proposer, mais bon. D'ailleurs, hier, il y avait le jubilé du Père André Bernardi. Alors, c'était assez drôle, mais j'ai envoyé le message à Jean-Louis pour qu'il mette sur notre nouveau site paroissial. Jean-Michel Bardet, qui est le vicaire général, disait, bon, puisqu'il fallait qu'il dise un petit mot au nom de l'évêque, alors il dit, Simon est devenu Pierre quand il a répondu à l'appel, hein, voilà, la vocation. Saul est devenu Paul. Et André est devenu Dédé. C'est pour ceux qui le connaissent, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Quoi. Bon, il a rendu grâce, hein, 50 ans de vie sacerdotale. Puis humblement, hein, il a dit, ben voilà, vie de prêtre, c'est pas facile. Parfois, on fait pas ce qu'il faut, on dit pas ce qu'il faut. Mais il a demandé pardon tranquillement au micro, comme il sait faire, hein, nous le connaissons. Et puis, dans cette joie qui caractérise celui qui a répondu à l'appel aussi. Hein, mais... Voilà, donc évidemment, ce n'est pas le prêtre en soi, certes, il est envoyé par Dieu, puisqu'il est censé avoir répondu à sa vocation. Mais enfin, c'est nous tous, parce que chacun d'entre vous, parce que vous êtes dans cette église, vous avez répondu à l'appel, hein, c'est le principe de la messe. Et donc, certainement, vous rencontrez des gens, comme le prêtre, qui, à travers votre regard de foi, vont recevoir une récompense de prophète. Ça va? Vous êtes prêtre, roi et prophète. Bon, c'est votre baptême. Donc, si vous œuvrez au nom de la justice, celui qui vous entendra et vous accueillera recevra une récompense de l'homme juste. Vous voyez bien, hein, c'est la communauté qui est convoquée. Donc Jésus nous le redit, puisque nous essayons de suivre son chemin, cette fécondité dont nous sommes transmetteurs, dont nous sommes responsables. Voilà. Alors, ben, que ça puisse nous donner la joie promise. Hein, et encore une fois, je pense qu'il y a encore des chrétiens qui pensent que du coup il va falloir vivre comme des ascètes ici-bas, parce que Jésus nous dit qu'il faut quand même mettre de côté nos relations privées de manière à ce que nous puissions être un peu conformes à la volonté de Dieu. Non, bien sûr, hein, bien sûr. Aimer Dieu, je l'ai déjà commenté, hein, le fameux commandement, le double commandement qui résume l'Écriture, dira Jésus. Aimer Dieu, c'est consentir à ce que Dieu nous appelle et puisse nous aimer. Et ensuite, vous aimerez votre prochain, en vérité. Ça s'appelle la charité, hein, ça quand même. Je rappelle, la charité que nous redisons dans la prière eucharistique, c'est pas « je vous aime bien ». Ça, c'est l'affection du monde. La charité chrétienne, c'est « par l'amour que j'ai reçu de Dieu, comme Jésus est aimé du Père, je peux vous aimer, je suis en capacité, mais parce que je l'ai reçu ». Voilà, je pense que ce sera toujours notre conversion, et je vois bien en discutant avec des gens qui ne sont pas beaucoup croyants, ou un peu croyants, enfin qui cherchent en tout cas, ils ont besoin d'entendre le fait que ce n'est pas un espèce de bras de fer où il va falloir être bien volontaire et nous engager avec force et conviction, mais une humilité, voilà, celui du serviteur, comme le Père André hier, qui reconnaît que sans Dieu, on ne va pas y arriver. Quoi. Voilà. Donc alors, laissons-nous conduire hein, par l'Esprit. Avec Dieu, tout est possible, sans lui, tout est compliqué. Et la stérilité est toujours là, peut-être pour nous rappeler que dans l'épreuve ou dans la joie, avec Dieu, nous pouvons transfigurer ce monde, ou il va le transfigurer à travers nous. Sans lui, tout est vain.